On est vraiment dans une approche intégrée de l'enjeu du bassin minier. Il faut le relancer économiquement, socialement, culturellement et redonner une fierté à ce territoire qui a eu un sentiment d'abandon très fort. Pendant 2 siècles, il a fait vivre la France, il a permis à la France d'être une grande puissance industrielle grâce au charbon, grâce à la sidérurgie. Et puis tout s'est arrêté et il y a eu un décrochage complet de ce territoire. L'engagement pour le renouveau du bassin minier est une initiative du gouvernement à laquelle ont adhéré toutes les collectivités territoriales du bassin, la région, les 2 départements du Nord et du Pas-de-Calais et les 8 intercommunalités. La délégation travaille en étroite articulation avec le CGET, d'où le fait que le délégué interministériel que je suis est rattaché au commissaire général, mais surtout qu'ainsi il bénéficie de l'appui des services du commissariat. La région de France est pleinement impliquée dans le renouveau du bassin minier. C'est un devoir pour nous, c'est naturel même de relancer ce bassin minier. Il fait partie intégrante de notre histoire, de notre culture, de notre identité régionale. Le RBM, c'est la prise de conscience d'apporter des réponses collectives sur les enjeux et sur les besoins de développement de ces communes minières. On ne pouvait pas rester sclérosé à regarder dans le rétroviseur du passé. Là, vous êtes au cœur d'une cité vraiment typique de ces cités minières. D'abord, excentrée du cœur de ville, parce que la vie s'est construite autour du puits de mine. C'est l'activité minière qui a finalement créé ce quartier. On avait une industrie avec un paternalisme industriel, presque en autarcie. On y vivait, on y dormait, on y travaillait, on y était éduqué. Ça a marqué vraiment l'histoire de ce quartier, qui ensuite a été marqué par l'arrêt de la mine, et donc la capacité et la difficulté à rebondir. On a une ville certes jeune, mais avec un taux de pauvreté important. Dans ce quartier où nous sommes emblématiques de ces cités minières, c'est un taux de chômage qui avoisine les 32%. Et aujourd'hui, on a cette obligation d'être en transition pour aller vers autre chose. L'enjeu, c'est de passer d'un statut industriel et minier du XXe siècle vers un nouveau mode de développement plus durable du XXIe siècle. Un objectif principal, c'est d'apporter un meilleur confort de vie pour les locataires. Des logements qui ont des dizaines et des dizaines d'années et qui sont plus adaptés aux exigences d'aujourd'hui. Elle correspond tout à fait, cette mission RBM, à la vision stratégique de SIA. C'est-à-dire qu'à partir de la réhabilitation thermique, comment s'engager dans une vision intégrée des dossiers, la vie d'un quartier, la vie des habitants. Peut-être ce qui est innovant, c'est qu'elle se développe à partir des besoins des habitants. On va interviewer les habitants en enquête sociale. Est-ce qu'ils sont au chômage? Est-ce qu'il y a un problème de parentalité? Est-ce qu'il y a un problème de transport? Est-ce qu'il y a un problème de handicap? De manière à avoir vraiment une vision globale de leurs besoins. Alors, dans la cité du Pinson, plusieurs actions ont été menées. J'étais auxiliaire de vie à domicile. Donc, j'ai travaillé pendant 10 ans. Pendant 4 ans, je n'ai pas travaillé suite à mon accident. Je suis partie en formation à Chambre des métiers. J'ai été diplômée, retravaillée et voilà, comme sortir un peu la tête de l'eau. Et ce sera plus pour moi. Je cherchais vraiment des formations seules, mais c'était compliqué. C'est vraiment compliqué en fait. Quand on n'a pas de baccalauréat, comme moi, je n'ai pas de baccalauréat, j'ai qu'un brevet, c'est compliqué. J'ai fait un rallye emploi l'année dernière. Sur 2 jours, on a visité plein d'entreprises. J'essaie de trouver une formation de soudeur, une formation qualifiante. La SIA, elle apporte une aide précieuse. On essaie de régler le problème ensemble. On n'est pas laissé à l'abandon. Je me suis rendu compte en promenant qu'ici, au 23, il se passait quelque chose. Et je me suis inscrite et je suis venue à l'atelier couture. Bon, c'est devenu de bouche à oreille. C'est déjà sortir de chez soi, rencontrer d'autres personnes, travailler ensemble.
Il faut que les gens se rendent compte aussi que ça il faut qu'ils sortent de chez eux un petit peu et être acteurs du renouveau ici dans le bassin minier. Mes petits-enfants ont pris goût à planter des légumes, à semer, à désherber. Le bénéfice, c'est qu'on pouvait manger nos légumes. Oui. C'est convivial, tout le monde est ensemble, on parle, on rigole.